Et re YouTube, c'est la suite. On se pisse dessus, c'est parti. Oui. Time has weakened these structures. Le temps a fragilisé ces structures, oui, bah en même temps. T'as les vieilles poutres en bois là, qui soutiennent à peine les cailloux, j'imagine. Non mais là, je suis en Skyrim en fait, hein. Là, c'est le début de Skyrim, la première grotte là, avec le masque et tout. I don't have time to search them all. Oh ouais, oh le gars. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Go Battle Right, oula! On se calmer, hein. On verra après, hein. Ah, d'accord. Ah. What's going on here? Piers. Keep your voice down. We're not alone. Good God. What have you got me into? Putain. We'll see. I'll go on. Try to go down on your side. De descendre de quoi, il y a... Mais attends, mais il y a un mètre, non? Attends, je vois peut-être mal, mais il y a... Oh non, d'accord, oui. Non, j'étais en mode... Eh, mais tu me rejoins, là? Oh, mais rejoins-moi! Attends, parce que... Il y a quand même des gens là-bas morts en fait. Mais il y a du... Merde. J'avais pas vu qu'il y avait des gens vivants en fait, surtout. Vache, le culte de Cthulhu. Comment je fais pour descendre? Ah oui, je vois. Ah ici. Alors je sais pas si ça va devenir un jeu d'infiltration, j'espère pas. J'espère pas. Dans ce style-là, on avait fait. Comment il s'appelle? Merde. Agonie. Et j'ai pas trop kiffé Agonie à cause de ça. C'est moi, il vénère le mec, ou il vénère la peinture, ou il vénère la meuf qui a fait la peinture. On est d'accord que ça rappelle étrangement le début du jeu, hein. On est d'accord, hein. Attention, hop. Mais arrête un moment. Et on va atterrir au début du jeu. Ouais, c'était un peu. On se doutait un petit peu. Sauf qu'au début du jeu, moi je pensais que vraiment on était genre dans une autre dimension, un peu comme Agonie, hein. Pas. I can't breathe. Calme-toi. What's happening? T'inquiète pas, tout va bien se passer. No, damn it! I must find a way out of here. My turn. Yes, it is time. What? You will soon be one of us, if your body and mind are ready. I dream of it every night. I have constant visions. I am ready. Good enough. Prove it to us. Ça pue du cul. Like in my dream. Ouais. Sauf que là, ça continue, encore et encore. C'est que le début. D'un enfer. Je le sens tellement. Ça va être un jeu d'infiltration là, ça va puer. I can't read Latin. Ah. Dommage, hein. Dommage, mon gars. Hein. À un moment, je ramasse des livres, tu sais pas les lire, c'est pas de ma faute, hein. Ok, j'imagine on passe par là, parce que par là c'est fermé. On vérifie quand même, on ne sait jamais. Là. Hop. Alors je sais pas s'il y a une jauge de bruit ou pas, donc dans le doute on va tout faire un croupi. Dans le doute je vais pas allumer mon briquet parce qu'on sait jamais. Est-ce que je peux prendre la torche? J'en ai plus. Ah, alors en fait... C'est pas moi qui bouge, hein, dans le doute. Mais t'es grillé 100%, arrête.
te lève pas comme ça. Mais c'est quoi mon perso? Il fait... C'est le pire mongol, quoi. Si je me fais choper à cause de mon perso... Arrête. Putain. Ouais, bon, s'il y en a qui avaient des doutes hein, par rapport à Cthulhu... Je peux me barrer? Je peux me barrer, hein. Vraiment, hein. J'ai peur de ouf, je vois rien. J'ai pas mon briquet. En fait, y a pas de porte ouverte. Ok. Voilà. Peut-être là? Non, je pense que t'es pas censé aller là. Je pense. Est-ce que je veux regarder la cérémonie en entier en vrai? Pourquoi pas, hein? En vrai, ça a l'air de marcher, hein? Bah, ça a l'air de marcher, je sais pas ce que c'est censé faire, mais ça fait quelque chose. Moi, j'attends de voir, hein, soit il va se passer un truc. La la la. Ou alors ça boucle? Non, peut-être. C'est pas. Ah, j'ai l'impression que c'est bouclé là. Ouais, ouais, c'est bouclé. Ok, 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 ok. On fait. En vrai, ça y est, petit Assassin's Creed. I feel him. You are gifted indeed. Not another word. Let him pass through every part of you. Bring me. More sacred flesh into the kingdom of the earth. Ah, en fait, ils vont sacrifier 3 personnes, c'est ça? J'ai l'impression, hein. It looks like a kind of deep coma. What could this ritual have done to them? We are ready for the ceremony. What about your protégé? His awakening. Bonjour. Il va nous rejoindre sous peu. Ferme-la. Je rejoins personne, moi. Je me casse. Hey. Mais pourquoi vous parlez aussi, bordel? Oh là là, pourquoi vous parlez? Ah, j'avoue. Ah, c'est le... Ouais, c'est le père, lui. Oh, il est totalement contrôlé. Ah, il a l'air... Donc si je l'avais pas pris avec moi, il serait pas mort. Je sais, je l'avais prédit dès le début. Hein.
Mais tant pis en soi. Ça me va. Ah mais en vrai, peut-être que si je l'avais pas pris avec moi, on n'aurait pas été découvert. Hein. Parce que c'est parce que ce connard il parlait qu'on a été découvert. Hein. Je sais pas. Ce serait marrant de revoir l'autre, une autre fois. Voilà, je vous avoue, il n'y a rien à faire. Hein. C'est-à-dire que ça... J'appuie juste sur la gâchette pour courir. Hein. Ça se fait tout seul là. Ah, je pense qu'on est dans la merde. Hein. Quoi, c'était quoi ça? My leg. Ouais, t'inquiète. T'en as deux. C'est bon. C'est safe. C'est... Y a des mecs qui ont été écrasés, c'est pour ça? Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Mais l'autre con, il a donné un coup de poing dans le... Dans le mur, ça a fait s'écrouler toute la grotte. T'as vraiment cru que t'allais t'en sortir maintenant? Jamais. Jamais ça va se finir comme ça. Chapitre 5. Institut Riverside. Bon, bah, Bradley est mort. Tant pis pour Bradley. Honnêtement, ça a jamais été un bon policier. Hein. Tout le monde le savait, je le savais, il le savait. Je pense que c'était mieux pour son intérêt de mourir. C'est pas de ma faute à un moment. C'est pas de ma faute. Ah mais attends, c'est marqué transporté d'urgence à l'institut hospitalier de Riverside, il est dans un état critique. Hein? Quelqu'un m'a transporté à l'hôpital? Quoi? Comment ça? Mais qui m'a trouvé? Ah, peut-être Scylla. Ah, c'est le docteur Fuller. Ah oui, d'accord. Laisse tomber. C'est le mec qui s'occupait de la femme de Charles. Donc, je pense que... On va se faire full drogue. Ouais, de toute façon, vraiment les médecins à cette époque-là, en vrai, ils s'amusaient. Leur but c'était de tout tester. Pour voir qu'est-ce que ça fait. Hein. Bon, je dis pas tous les médecins. Il y en a forcément plein qui ont pété des câbles à tester des trucs sur les gens. Don't move, Pierce. You can certainly say that you gave us a scare. What did you do to me? Undo these straps! Whoa! Go easy, my friend. Oh, Dad. He killed you. Are you sure he's better? Quoi? He was dead. Me too, we were dead! What are you doing? I'm sorry, my friend. What? No! C'est vraiment le truc des hôpitaux. C'est comme les hôpitaux psychiatriques. Hein. T'y vas parce que t'es un petit peu fou et en fait, tu deviens encore plus fou avec les médocs. Non, par contre, c'est chelou là, Bradley. What happened to me? Where am I? Ah. Monsieur Sanders. Ah, c'est le mec qui achetait les peintures de... Non, c'est pas celui qui a acheté les peintures. C'est le mec à qui elle a offert une peinture. Et pourquoi il... Il a les yeux, genre, il a les yeux crevés. Escape, can't escape. Ok, c'est à lui qu'elle a offert une peinture, la meuf. Attends. Oh non, on va sortir. Ah, pff, je dis ça. Y'a un mec qui a l'air taré à côté. Hein. On va attendre, hein. Avec ça à foutre. Je suis où, là? On se réveille genre au pif.
Ah par contre, est-ce que c'est un rêve? Ah, déjà le son du jeu s'il te plaît. Tu casses les couilles un peu. Ah mon perso il est rebou. Mais il est drogué de ouf. Bon, on verra si c'est un rêve ou pas. Je parierais sur un rêve. C'est aussi bizarre qu'on se réveille comme ça alors qu'il y a personne mais... Oui bon ok c'est un rêve. Ok. Je... Ok. Non mais je demande plus dans... Moi je demande plus. Hein. C'est le même brouillard qu'au début du jeu, vous savez. Celui qui avance en fonction de comment j'avance. Si je vais à gauche, il va à gauche. Si je vais à droite, il va à droite. Ah là là, cet effet de brouillard. C'est quoi ça? Ouais, c'est un four. Ah, les écrans blancs! Vous savez bien à quel point ça fait mal aux yeux. Faire. Cinématique, cinématique! Vite! Ouais ouais je le sens mal là. Je le sens moyen là. You there. Wake up. Come on, stand up. We don't have much time. Ah c'est la meuf. C'est la meuf qui m'a latté les couilles là. Can you stand up? Who are you? A friend of Ethan Bradley. It was he who told me that you had been interned here. Wait. What? Bradley, comment il est en vie? I don't understand. You filled me so full of drugs I can't distinguish dream from reality. Please believe that I have nothing to do with these disgraceful treatments. Look, I don't have time to explain everything. I'm not really supposed to be here. And the same goes for you, according to Ethan. You must leave as soon as possible. And as unobtrusively as possible. I've brought you your clothes. Let me go ahead. We'll meet upstairs. Wait a minute. What's going on here? What do they do to the patients to make them so terrified? I would really like to know. I only see them when they are brought up for medical treatment. For problems they didn't have before going downstairs. Ah, d'accord. This is neither the time nor the place to talk about. Ah, le mec à gauche, il me saoule. You must not stay here. There are two men standing guard near the stairs. It's the only way to the floor above. I shall try to distract them and get at least one to come with me. All you need to do is to follow me as soon as the way is free. Understood. L'infiltration, l'infiltration. Ok, j'ai une lampe et un briquet. Non. Non, fermez-la. C'est lui qui faisait peur. Non, c'est lui. Poor wretch. Imagine, j'aurais ouvert. As for you, gentlemen, do not disappoint me.
Arrête de crier. S'il te plaît. Quand tes amis flairent votre présence, un marqueur blanc apparaît. Ok, c'est à l'Assassin's Creed. Oh l'enfer. Je crois qu'il aime pas du tout être dans les placards. Il aime pas du tout être dans les placards. The machine is working again, but the control wheels haven't been put back on. I was just going to the storage room. I can bring them to you. No, Dr. Fuller doesn't want us touching the pressure valves. As you want. I'm gonna see if there are sleeping pills left. They've run out again upstairs. Put a few aside for me, will you? And above all, leave the wheels where they are. Je suis extrêmement nul pour les jeux d'infiltration à... Comment je le fais dégager de la porte exit là? The green gas leaves from here and it runs through the whole building. Ah. This valve controls the pressure. Ah. J'en ai donné plus ou moins? Ah, beaucoup moins. Il n'y a plus de pression. J'ai réparé comme j'ai pu votre machine, mais la tuyauterie était endommagée. Je crains que le gaz ne s'échappe, je n'ai pas le moyen de faire plus. Si elle est soumise à une trop grosse pression, l'installation risque d'exploser. Ah, mais justement. Ouais, voilà. C'est ça qu'on veut. Voilà, ça qu'on veut. It's impossible to break this chain with my conduct. Ah, il me refaut une manivelle. Ok. Il me refaut une roue de contrôle. Attends, ils ont parlé d'une roue de contrôle, les cons, là. C'est pas de conneries. Allez, dis-moi que tu vas y arriver, s'il te plaît. Ça fait 3 fois que tu rates. Oh, merci. Merci mon dieu. Alors attends, parce que j'ai peur que ça fasse des conneries ça. Okay. It's locked. Ça, ça actionne quoi? Bah la porte, non? Have I activated anything? Non. It's locked. Tellement de trucs. Ça va être un enfer, les gars. Oh non, il va devenir taré en plus. Je suis pas moins taré avec ça? Eh merde. Oh l'enfer. Tu me laisses sortir au bout d'un moment quand même, parce que... c'est perturbant. Ok, un coup-boulon, ok, j'en aurais besoin là-bas. Ah, mais il me faut une roue, là. This lever must turn on the gas machine. Ah. Ah, mais y a pas assez de pression. Ouais, y a pas assez de pression, là. Il me faut la roue. Il me faut totalement la roue. Sauf que j'ai pas trop suivi ce qu'ils ont dit. Ah mais je suis là. Ah. J'ai besoin de sa fucking roue. Ah, attends. Ok.
Ouais, faut que tu gères. Perfect. T'es le meilleur. Et là, il y a un mec. Il y a vraiment un putain de mec. Sauf que je suis pas sûr qu'il sorte en fait. Tu vas pas sortir vraiment? Y'a pas un mec en fait, c'est juste ça. C'est quoi tous ces trucs là? La pire blanquette! Ah, c'est à la Outlast là. Par contre, faut que tu passes, hein, sinon je suis dans la merde. Hein. Non, y'a rien. Fuck! Casse-toi. Je crois que c'est cassé. Y'a un mec là. Il avance comment? Il avance en mode il arrive en fait. Donc y'a un mec là-dedans, un mec là-dedans. Ils font des putains de rondes en fait. Ok. C'est qui a la roue? C'est genre le plus important, j'ai l'impression. Alors dans quel sens il fait la ronde? La ronde, oh la vache. La ronde. Est-ce qu'il passe par derrière l'armoire ou par devant? Parce que s'il vient jusque là... Ah, il y a un objet caché apparemment. Eh oui. Ah, ça me dit qu'il y a un objet caché. Maintenant, faut le trouver. Hein. Merde. Mais je fais du bruit quand je me mets debout, j'ai l'impression que quand je me mets debout, c'est l'apocalypse. Vache. Heureusement que c'est des teubés, hein. Give me a roue, please. Oui, je prends si tu veux. Ah, mais en fait, ouais, le... Scopolamine. Morphine, opium, nothing but common drugs. Quoi? Y'a pas un mec là? Je vais me pisser dessus. Comment je fais pour lui là? Oh, putain, comment je fais là? You there. Là, je croyais que c'était que deux en fait sur un milliard. Oh non! Oh, ils sont 1 milliard, l'enfer! Elle est où l'armoire? Oh, je sais pas. Pas d'armoire. Fuck! Je peux aller dans le tuyau?
Ils sont 1 milliard en fait. Ça va être plus long que prévu. Putain, je me suis dit, ils sont 2, ça va être easy, tranquille. Oh là là, pas du tout. Pas du tout, ça va être super long, vraiment. Mais sors de là. Ça va être ultra long. Ok. J'ai peur. Non, en vrai, j'ai pas peur là. Juste. Ça casse les couilles. C'est juste ça en fait. Je vais juste récupérer ma putain d'en haut. Est-ce que je fais du bruit en fait? Je sais même pas si y a une jauge de bruit, c'est ça le truc. Pas l'impression. Merde. T'as pas un petit trou là? Allez, donne-moi un petit trou. Oh. Merci. Ça s'est fait. Ok, encore de la médecine générale. Bon, je pense qu'on va... On va arrêter là la vidéo. Je peux pas genre fermer à clé ça. Ah ouais, vous êtes mort. Ah ouais, c'est comme ça. Ah là 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 là, ça va pas le faire. Ah, vous êtes mort, genre comme ça, t'es, y'a pas de... Même pas de cinématique de mort, c'est... T'es mort. Bon, salut. Et bisous YouTube, je pense que en fait, on va passer beaucoup plus de temps que prévu. Surtout à cet endroit précis. Le jeu devient une sorte de Outlast. Et bah, on va bien voir comment ça se passe. C'est juste que je suis pas forcément hyper fan des jeux où tu dois te cacher. Bah, pour les jeux d'horreur en tout cas, des jeux où tu dois te cacher. Je préfère un jeu d'horreur comme c'était depuis le début le jeu. Et là, ça devient un jeu d'infiltration. Bizarre. Bon allez, des bisous, au revoir.